Eh oui, bonjour à tous. Oula, doucement sur le pétillant. Bonjour à tous, bonjour YouTube. Incroyable, Despers présent dans le chat, incroyable. Comment ça va, ça? Comment ça se passe? On va jouer du coup encore à Rock Manager. On va faire la deuxième mission, première vraie mission, une affaire de famille où évidemment tout va mal se passer. Alors c'est une offre de Global Records qui pourrait bien porter ses fruits ou pas du tout. Alors je crois qu'ils sont casse-couilles, hein. Je crois vraiment que tout va mal se passer. Ça charge. Le CD. J'ai entendu des trucs bien sur vous. Les Ouais. gens dans le milieu disent que vous êtes plein d'avenir. Ouais, c'est Si vrai. c'est vrai, j'ai peut-être une offre qui devrait vous intéresser. D'accord. Alors, j'irai droit au but. Ouais, je t'écoute, ouais. J'aimerais me rendre compte de ce que vous valez vraiment. On prépare un gros événement chez Global Records. On a signé les frères Golander. Et je vais Oh. vous dire un truc. Tout est possible. Ils vont devenir les plus grandes stars de demain. Écoutez ça. Global Records organise le grand concert Global Head qui aura lieu au Colosseum. Il Ouais. sera diffusé en direct sur toutes les chaînes internationales et ça va être le grand lancement des frères Golander. Le seul problème, c'est qu'ils ne s'entendent pas toujours très bien, ces deux-là. Ah bon? Alors voilà ce que je vous propose. Je veux que vous soyez leur manager. Vous allez enregistrer et faire la promo de leur nouveau titre. Et le plus important, à vous de faire en sorte qu'ils se supportent pour participer au Global Head. Vous Ouais. avez carte blanche. Pourvu qu'il soit sur scène le jour J. Mais venez dire bonjour aux frères Golander. Vous allez Ouais. passer pas mal de temps ensemble dans les semaines Salut. à venir. Salut, salut. Ok, alors les fr... LOL Golander, tu connais? C'est moi. Il Ferme-la! serait quand même temps de faire un putain de concert, non? On se prend la tête pour rien, là, si tu veux mon avis. Ouais, bien sûr. Fais pas attention à ce qu'il dit, il doit être énervé. Dis-lui de la fermer, bordel! Taisez-vous! Merci, hein. Oh là là, j'ai pas le compresseur. Oh merde, pardon, j'ai oublié que j'avais pas le compresseur, ça a saturé. Désolé, j'ai oublié que j'avais. Désolé, d'habitude ça passe. Bon, alors déjà, ils vont nous casser les couilles. Hein. Donc là, c'est. Oui, il n'y a plus le compresseur. Allez, désolé, hein. Désolé pour ça. T'as quel enfer. Bon, du coup, enregistré Supermarket Love. Merci, je suis sûr. Désolé, hein. Désolé. Moi, voilà, j'ai pris l'habitude d'avoir un compresseur. Faut que je refasse les réglages. Hein. Faut que je tire des câbles, tout ça. Alors. Obtenir l'accord de la maison de disques, sortir l'album, gagner de l'argent. Ah, important. Le point 4, gagner de l'argent, empêcher la séparation du groupe. Alors ça va être ça, c'est vraiment l'étape la plus compliquée. Ils sont jamais contents. C'est parti. Alors est-ce qu'ils ont un groupe? Ils sont que tous les deux. Donc il y en a un qui chante. Bah ils sont pas mauvais en hein, musicalité. Arrogant mais Ça me charismatique. gonfle cette merde. Ah, j'ai rien. Ça faisait quoi ça? Répandez de fausses rumeurs sur cet artiste. Dire à tout le monde combien cette personne est fantastique. Je peux l'encenser pour 1000 balles. Bah, ouais, enfin, techniquement, un compresseur, ça sert à que ça soit moins fort. Mais bon, ouais. Alors, on peut. Attendez, on va aller. Putain. On commence direct. On commence direct à investir 2000 balles. En fait, mon frère est pas si nul que ça. Putain, déjà, on lâche 2-3 embrouilles. On lâche 2-3 T'es embrouilles. pire qu'un gros con, toi. Quand tu me parles, toi? Je vais leur casser la gueule. Prends un pack de bière. Ah ouais, pourquoi pas? Va te faire mettre. C'était une autre époque, hein. Pas pour moi, je suis pas trop dans l'ambiance là. Il est pas content. Bon, alors du coup. Alors il le faut. C'est quoi? Quelle grosse Mais merde! oui, mais ta gueule. Ok, c'est un guitare. Donc il nous faut un batteur. Alors par contre là, on va lâcher un petit peu de sous parce qu'il faut que ça joue bien. Il joue quoi? Il joue du rock, pop rock, Dégue. pop rock. Bon, il faudra un petit On m'appelle. petit batteur rock. Du calme, c'est moi, MC Attack. Enfin, c'est mon nom de scène. Alors, MC qu'est-ce que tu veux Attack. faire? Attack Attack Stick Stickly. On va peut-être. Oh, on va prendre Raymond. Salut! Moi, c'est Raymond. Non, rassure-toi, t'es pas mon On va genre. ramener Raymond là-dedans. Attendez, ils vont traiter de connard. Moi, moi, je vais ramener Raymond et... et Raymond, il va leur expliquer la vie. Quand tout le monde aura du mal à s'asseoir pour jouer, eh bien, ils arrêteront de me casser les couilles. Bon, allez, Raymond, c'est parti. Allez, merci Raymond. Alors, il nous faut un bassiste. Alors, non, on a un bassiste, on a un batteur pop.
Est-ce que... Bon, il faut quand même lâcher un peu de pognon, faut que ça joue. MC Attack. Mais oui, mais Raymond, j'ai deux, trois bails, vous inquiétez pas. J'ai deux, trois bails. Teddy, qu'est-ce qu'il fait? Je me présente, Teddy, ah oui. Bassiste. Raymond, le bon tuyau. ouais, bah, faut peut-être économiser un peu. Bon, y a le pat... bon, il sait jouer au moins, Teddy. Allez, c'est parti. Bon, changer le nom du groupe. Morning Glory. Oh putain, mais quel enfer. Morning Glory. Oh, l'hypomé est présent. Hypomé, parce qu'on est vraiment paumé. Alors non, on peut le renommer. Attendez. C'était quoi, Spectral Frog, c'est ça? Oh, je peux le renommer. On va aller... putain, quel enfer. Ok, alors, attendez, il fallait... Bordel de merde. Oh. Alors, les deux frères sont furieux que vous ayez voulu changer le nom du groupe. Merde! Ils refusent un autre nom que celui de Morning Glory. Si vous n'avez pas le choix... Et vous n'avez pas le choix. Merde, j'aurais pas dit. J'aurais pas dit. Oh merde, ils sont pas tout bon, mec. Putain, c'est... Et de bouteille? Ça, c'est... Ta gueule. Oh, ok, on se retrouve au bar. Ah bah voilà. Alors attendez, faut qu'on achète. Et, attendez, il n'y avait pas un morceau que je devais acheter? Il n'y avait pas un... Il devait... Putain, je me rappelle plus. Attendez. Non. Continuez. Non, le fouet la... Oh merde. Il suffit d'un rien pour que les artistes disputent. Mais j'ai pas le temps. Votre rôle consiste notamment à veiller à leur satisfaction, sinon ils quitteront le groupe ou pire. Cliquez sur un musicien pour voir la liste des actions possibles. Offrez-leur différentes choses, mais n'oubliez pas qu'ils ont leur caractère. Faites en sorte qu'ils soient contents. Mais ouais, non, mais je sais. Mais c'est quoi mon objectif? Enregistrer Supermarket Love. Mais c'est ça. Mais je... Ils l'ont... Supermarket Love? Ils l'ont pas. Fake It. Ah, Fake It, je crois qu'elle est bien. Attendez. Je crois qu'elle est pop-rock. Regardez. Musique pour bar de pochetron célibataire où l'on se bourre la gueule jusqu'au coma éthylique. C'est vrai qu'on peut plus sortir un jeu comme ça aujourd'hui. Hein. Bon. Ici. Ah bah voilà, je l'ai déjà, Supermarket Love. Ok. Bon, je vais aller au Strawberry Studios. C'est 6000 balles, ça va. C'est parti pour l'enregistrement. Allô. Take a number, read a paper, if you want my supermarket. Bon, ça va, il chante un peu mieux que l'autre. Ah, j'aurais dû prendre un autre... Merde, non, annulé. Merde. Oh, mais je peux... Oh, je savais pas. Pourquoi je fais ça? Eh ben, parce que ça fait longtemps que j'ai pas streamé, je suis content. Mais, oh, je peux acheter un musicien de session, un studio session. Pour ajouter un petit peu de consistance à leur morceau de merde. Alors bon. Attendez. Parce que j'aurais dû rajouter un autre guitariste en fait. Putain, Larry. Est-ce que c'est ta copie Larry? Oh putain, virtuose. Oh, je peux acheter un virtuose. Bon, je vais prendre Tony pour 7000 balles, la guitare. Je pourrais mettre un clavier, mais je pense que... Oh, putain. La guitare. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Okay. Alors attention, est-ce que Despers est là pour les paroles? Take a number, read a paper. If you want my supermarket love, lots of shopper. Supermarket love. J'ai qu'une boucle de chant, ouais. Alors, un petit peu de délai, évidemment. En 4. Avec un petit peu plus. Take a number, read a paper, if you want my supermarket love, lots of shop. C'est génial, il m'arrête. Bon, un peu moins.
Ah putain, mais tellement fort, Despers. Take a number, read a paper. If you want my supermarket love, lots of shoppers at the checkout, stand in line for supermarket love. Mais c'est quoi cet accent de c'est mort? Lol. Attendez, mais plus je mets, plus c'est. Y en a? Take a number, read a paper. C'est pas clair là, le bouton mix. Take a number, read a paper. Ah, pour vous, YouTube. Incroyable. Merci d'espérer. Take a number, read a paper. If you want my supermarket love. Prends un numéro, lis un papier. Si tu veux mon supermarché de l'amour. Putain, quel enfer. Wow. Alors. Alors moi je passe beaucoup de temps là-dessus, ça sert probablement à rien dans le jeu. Je sais même pas quel impact réel ça a dans le jeu, mais ça m'éclate. Et il a un petit côté pop. Machine, ouais ça fait très machine. Acid jazz. Oh ça peut être pas mal ça. Jazz. Ah, je sais pas. Et là, il faut quoi les monotones et heavy. Est-ce qu'on peut mettre les deux? Arpège. Ah ouais, ça va être. Attendez, un arpège. C'est pas mal avec l'arpège. Continue, moi je pense qu'il faut avoir disco rock, mais. Bah, s'il y a déjà les arpèges, je pense qu'il faut bourrer. Hein, faut bourrer. Oh, je peux lui mettre un flanger en fait. Ouais, pas sur. On va mettre le flanger sur le. Attendez. Et là, on va mettre le flanger. En plus, c'est vite. Ouais. Il va me casser les couilles parce qu'il joue pas assez fort. C'est garanti. Alors, je sais pas quoi ça sert. Moi, je mets à fond. Moi, je mets à fond. Faut que ça soit plus fort que tous les autres morceaux sur le marché. Non, le chant, il y a qu'une boucle. Je peux mettre, enfin, juste deux effets. Mais il y a qu'une boucle de chant, malheureusement. Enfin, ce qui est déjà énorme, en vrai. Enfin, en vrai, il y a déjà tellement de possibilités. Take a number, read a paper. If you want my supermarket love, lots of shoppers at the checkout, stand in line for supermarket love. Take a number, read a paper. If you want my supermarket love, lots of shoppers at the checkout, stand in line for supermarket love. Take a number, read a paper. If you want my supermarket love, lots of shoppers at the checkout, stand in line for supermarket. Eh, sonne pas mal, non? Sympa, hein? Take a number, read a paper. If you want my supermarket love, lots of shoppers at the checkout, stand in line for supermarket love. Take a number, read a paper. If you want my supermarket love. Oh, je peux pas enregistrer les bacs? Ça me reste en tête, désolé. Ah oui, en plus, moi, je fais le mixage trop sérieusement. Mais en fait, on en a rien à foutre, en fait. Ah, désolé, mais moi, j'aime ça. C'est mon truc. C'est mon truc, le sound engineering. Ah, désolé. Mais je trouve, du coup, j'ai réussi à faire sonner ça pas trop mal, je trouve. Moi, j'aime bien. Vous validez, là? Je vous la remets encore. À quand la reprise?
Ah putain, mais moi j'ai trop envie d'enregistrer une bac là, parce qu'en plus j'ai les paroles. Oui, on apprend, on les fait tout en live pour l'IRL. Bon allez, ok, on valide, on valide, Kamel valide. Vous ne pouvez plus modifier. Oui, bah écoutez, je vous... c'est vachement bien enregistré. Alors, obtenir l'accord de la maison de disque. Beau travail. Maintenant, soumettez l'enregistrement à la maison de disque pour avoir son accord avant de le sortir. Je l'ai en tête. De rien. Alors, c'est qui ? C'est Global Records. Alors là, s'il me dit mais regardez qui voilà. Quelle bonne surprise. Comment ça va ? Arrête, ça va. Mais ça va et toi ? Ouais, tranquille. T'as pas un petit cigare, s'il te plaît ? Petit cigarillo à la vanille ? Fruits rouges. Ok, merci. Ouais, pas de problème. Ça rentre dans notre catalogue, ça. Bah, tu m'étonnes. Ça a été mixé par un professionnel. Oh bah, c'est tout. Concert. Ouais. Normalement, ils sont un peu connus. Je peux déjà programmer un concert au Rock Pit. 1, 2, 3, 4 jours après. C'est pas mal. Oh, ils sont chers. Putain, ouais, c'est cool. Stage et vacances, relation. Ah, dans celui-là, je peux pas leur offrir des instruments. Place pour le match de hockey. C'est trop top. Bon, alors, faut c'est tout... mort. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il faut aussi... Putain, c'est mortel. Si on offre à l'un, faut offrir à l'autre, parce que j'ai l'impression que tout va mal se passer, sinon. Oh, yes. Moitié plein. Ah non, il y avait que 72 personnes. Merde. Mais bon concert. Quand est-ce qu'on sort l'album ? Bonjour, comment va le groupe ? Ah oui, faut sortir l'album. Design Studio. Ah putain, les clodos. Vite, faut sortir l'album. On va leur mettre quoi, là ? C'était quoi les paroles, là ? The Pepper. Oh, voilà, ils veulent, regarde, on veut que ça soit des stars, la télévision. Alors, si je le mets en avant, ça pue la merde. Hein. Donc, je pense qu'on va faire ça. Les Morning Glory. Putain, c'est dégueulasse. Oh putain. Oh. Les Morning Glory, on peut en faire ça. Hein. Putain, mais je suis trop fan du... putain, sur mon jeu, j'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie de pouvoir faire du mixage dans le jeu que je suis en train de programmer, du coup. Comme dans celui-là. C'est beaucoup trop bien de choisir les boucles, en fait, sur le morceau. C'est du génie. Faut juste trouver comment... Enfin bref. Putain, quel enfer. Au secours, Dolga. Ok. Bon, on va sortir ça. Putain, mais ce Raymond, regardez ce Raymond. Ok, bon, on le sort comme ça. Ce serait bien de le sortir pendant le... Je vais pas le sortir pendant le concert. Ça, c'est un peu con. Bon, bah on va le sortir là. Comme ça, on va pouvoir en parler au concert. Et par contre, il faut... Là, en fait, le problème, c'est que je cherche les trucs. Bonjour, comment va le groupe ? Tout se passe comme prévu. Oui, mais attends, radio. Vous avez rendez-vous avec... Dossier de presse. C'est tellement touchant. Des fleurs. Mais je vais rougir. Ouais. Comme c'est gentil. Ah voilà, les playlists. Classement. De la pub. Acheter de la pub. J'ai 74 000. Moi, je vais faire un bon spot là pour la sortie. Ok. Le problème, c'est que en fait, vous m'entendez peut-être là. C'est peut-être pas si fort. Je sais pas. Est-ce que vous m'entendez ? Allô ? Parce que du coup, c'est chiant de devoir attendre la fin des applaudissements. On a perdu de l'argent évidemment parce qu'il y avait pas assez de monde, mais le concert était bon et le groupe est content, donc c'est trop tôt pour aller au Rock Pit. Mais bon, voilà, ça fait quand même le groupe plus ou moins content. Faut faire quelque chose là pour Raymond. Les affaires, est-ce qu'on peut acheter un petit rail de coke pour Raymond? Finalement, une machine. Non, mais faut pas que je dépense tout mon pognon. Mais Wouh, c'est la fête. Putain, mais Raymond.
Raymond. Non, qu'est-ce que je... Mais, ah, putain. Et je viens de voir un truc. Supermarket Love en playlist cette semaine. Bonjour et bienvenue à Rad... 8e, ok. Putain, il y avait... Regardez, il y avait un studio. Il y avait le studio de... de Global. Putain, on aurait peut-être pu faire meilleur enregistrement. Bon, alors... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pour enregistrer. Mais putain, il est où le disquaire? Record Store, c'est ça? Salut, mec, c'est pourquoi? Il s'approche de moi, je te jure que je me le bouffe. Mais je cherche les trucs. Je vois les jours qui passent trop vite et j'ai le temps de rien et ça me stresse trop. Bon, après des heures de discussion constructive dans le local, LOL frappe Nelly à la tête. Putain, LOL et Nelly, quoi. À la tête avec une chaussure et s'en va. Nelly va bien, mais il exige que vous verriez. Oh putain, mais j'ai pas... Ouais, c'est... Calomnie, non. Putain. Encensé. T'as tout bon, mec. Putain, c'est... Encensé. En fait, mon frère est pas si nul que ça. Je voudrais faire la fête. Est-ce que je peux faire la fête? Mais si je lui paye des bières, c'est considère ça comme la fête? Oh, j'y crois pas, c'est trop cool. Putain. Je paye des bières aussi. Faut que je refasse un... concert, au plus tôt possible. Ils sont à chier. Mais tu t'attendais à quoi? Les Mossfall déshonorent un grand style. Ils sont à chier. Ok, profitant d'une interview, putain, il déclare que il joue de la musique pour vieilles rombières aveugles et à moitié sourdes. LOL Gander, Golander, pardon, diffame un autre groupe. Quel enfer. Mais il... Mais non, mais... 4000 balles, on a gagné. Oh, presque plein. On peut peut-être aller au Rock Pit maintenant. Ah oui, mais non, mais alors. Putain, mais je cherche le disquaire. Le disquaire, il est où? Ah putain, City News, faut que j'aille à City News, putain. Non, mais regarde-moi ce groupe. J'ai jamais vu une telle bande de nazes. Chez nous, les meilleurs. Les autres peuvent aller se rhabiller. Alors. On peut s'excuser, on peut les envoyer. Putain. Attendez. Pour une décision... Astuce chez vous, pour une décision rationnelle. N'hésitez pas à ouvrir une bière. Pas du tout. Je sais plus, je me rappelle plus des impacts de telle et telle décision. Et putain, il s'appelle... putain. On va s'excuser. Mais je sens que ça va. Dans tous les cas, de toute façon. Vous vouliez voir quelqu'un? Ouais, tiens. Oh, vous êtes très généreux. Pas des fleurs quand même. Place de hockey. Mais qu'est-ce qui vous prend? Les gens vont le savoir. Qu'est-ce qui vous prend? Les gens vont le savoir. Petites annonces. 25 000 balles, on n'a pas assez. Juste. Putain, on va faire 3 jours. Salut, je peux vous aider? Une petite réduction sur la vente de l'album ici. 5000 balles, ah oh, putain, bah moins. Supermarket Love entre au top. Cool. Le disquaire, il salut est là. Salut mec. Non. Classement des ventes, 7e, ok. Zero. Bonjour. Dossier de presse. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un? Ou je peux... Playlist, on est 7e à la playlist, c'est pas mal. Et il faut vraiment qu'on fasse un concert. Concert trop tôt, au Rock Pit. Vous n'avez pas assez d'argent pour le Rock Pit? Ah oui, c'est 5000 balles! Je croyais que c'était moins cher. Il faut vendre des albums, les gars. C'est des vendus, ça monte en flèche. Cote de l'album 15%, c'est pas trop mal. Je vaux bien plus que tous ces charlots, moi. Il y en a marre de jouer avec ce groupe. Oh, mais là, là, les relous. Hop. Je peux pas... Ouais, si... Voilà, on va l'avancer. En espérant que... Putain, quelle bande de nazes! Je vous préviens, ça va pas se passer comme ça! Donc voilà, ils sont jamais contents, hein, je vous préviens. C'est tout, toute la partie comme ça. Allez, allez, faut jouer là. Pourquoi? Ouais, c'est bon. On a gagné que 5000 balles. Donc je fais ça. Un autre concert, là, en intérêt de... Ça me gonfle, cette merde! Et là, je joue tout. Je lui fais relation insensée. Putain. Je l'encense également. En fait, mon frère est pas si nul que ça. Veut prendre des vacances.
T'es pire qu'un gros con, toi. Ouais, ouais, ouais. Normalement, le concert, et le concert apporte. Non ! Je suis à sec. Mais le concert allait venir ! Non ! Le concert ! Après le concert, tout se passait bien. J'ai lâché trop de pognon. J'ai lâché trop de pognon. Mais j'ai cherché trop vite, trop longtemps pour le record. Oh, j'ai lâché trop de pognon, j'ai voulu être trop sympa avec tout le monde, j'aurais pas dû. Mais non, mais le concert. J'avais oublié que tout coûtait si cher dans ce jeu. Ah, c'est quand c'est 5000 balles le concert. Oh, quel enfer. Zut. Ah ouais, ouais, alors ça va vite. Hein. Ça va vite, on a le temps de... Surtout au début quand... Bah, ok, attendez, je relance vite fait du coup. Ah, c'est chiant. Alors du coup, on va peut-être faire un... Alors, on va reprendre les mêmes persos. Mais ouais, on peut pas mettre en pause pour bien... Peut-être que si, finalement. Bon, attendez, Mais non, je suis quasi sûr qu'il n'y a pas de pause. Qui c'est qu'on avait pris, Teddy? C'était bien. Hop. Espace, ça fait juste ça. En fait, t'as pause ici, mais tu pas dans la ville où... On va aller l'enregistrer, du coup, au Global Studios. Bon, ça coûte plus cher, mais on va voir. Alors, on va prendre... ça pour une guitare. On avait dit garage, quoi. Je sais plus. Ah, désolé, on va la réécouter. On était sur du 4. Tout mixer comme ça. On avait mis le flangé. On avait fait le heavy. Et l'arpège de ses morts. Oh, j'ai l'impression que ça sonne mieux dans le studio, dans celui-ci. J'ai l'impression que les fréquences, elles sont moins... Alors, j'ai l'impression qu'ils ont compressé. J'ai l'impression qu'ils ont compressé sur les studios de moins bonne qualité. C'est trop drôle, c'est une pire idée, trop bien. Ils ont mis des MP3 un peu plus dégueulasses. C'est du génie. Ah, ça va faire trop avec deux icônes de plus. En plus, faut les payer. Mais ouais, j'ai plus de pistes. Ouais, on va refaire la même chose qu'on a fait, mais ça sonne mieux. Enfin, la qualité du son est mieux. Ah, bon courage pour le festival. Pardon. Des bisous, pirates. Bon courage avec le festival. Amuse-toi bien, surtout. Et tiens-nous au courant. Envoie-nous des nouvelles, si possible. Hein, quand tu es entre deux pintes. Des oubis, amuse-toi bien. Take a number, read a paper. If you want my supermarket love, lots of shoppers at the checkout. Stand in line for supermarket love. Take a number, read a paper. Bon, c'est pas aussi bien que tout à l'heure, mais. Délai sur les arpèges. Take a number, read a paper. If you want my supermarket love, lots of shoppers at the checkout. Stand in line for supermarket love. Ah, des bisous, Maxime. La pétanque, ah oui, par ce temps là, j'avoue. Des bisous, pirate, encore. Take a number, read a paper. If you want my supermarket love, lots of shoppers at the checkout. Stand in line for. Bon, on va faire ça comme ça. Et on va obtenir l'accord. Salut mon manager préféré. Ouais, c'est bon ça. Ok. Ah oui, il était encore plus... Salut mon manager préféré. Merde, alors, comment ça marche le rock'n'roll en ce moment? Putain, le mec, il en a rien à foutre. Et le total, nos respects. Et il était plus content de cette production. Donc, je pense qu'en vrai... Faudrait tellement aller chercher les infos, mais je pense qu'en vrai que le mixage qu'on fait, en fait, ça n'a aucun impact sur le jeu, mais c'est en fonction de la qualité du studio, c'est ça qui va plus jouer. Mais voilà. Alors du coup, je vais pouvoir faire design studio, le fouet et la carotte. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'on avait fait? Les télévisuels. Tout le monde a au même plan, parce que sinon on sent que ça va être la daube. Le Morning Glory de l'enfer. Allez, c'est parti.
la sortie de l'album. Ok, comme ça. Salut mec, si vous voulez un renseignement, n'hésite... Non, je veux aller à la radio. Bonjour et... Dossier mais presse. Je vais rougir. Ouais, comme... On va acheter de la pub. Ouais, comme ça. City ben, News. Je suis... C'est super simple. Petite pub, 25 000. Est-ce qu'on placarde tout? On placarde tout. Ah, j'ai pas assez de thunes. J'ai pas assez de thunes. Petites annonces. Pleine page, demi-page, petites annonces. Enfin, pendant deux jours. Deux jours, ça va suffire. Et un concert, surtout. Concert à la sortie de l'album. Faut que l'album... Non, mais ce serait le jour J. Bon, le lendemain, c'est mieux, je pense. Ah, ok. Et on va... Putain, leur... ouais, c'est cool. Et on va faire des relations à la con. Génial. T'as tout bon, mec. On tient le bon bout, mec. Voilà. Merci, amuse-toi bien, des bisous. Playlist de Radio FM. Bonjour et bienvenue à Radio... 9e, très bien. Zero Magazine. Zéro... Ça ne se fait... C'est quoi, Venue? Ah oui, c'est une... C'est une salle de concert. Très bien. Ça y est, je commence à réavoir tous les endroits. Et là, le garage, c'est le vieux truc pour eux. Ça fait 2000 balles. Ah oui, après, on peut jouer ici, je me souviens. 11 000. Et eux, ils sont grave contents, c'est cool. Putain! On va enfin se lâcher! Un petit peu de bière, là. Ça déchire! Il faudrait faire la fête. Et je sais pas ce qu'il faut faire quand ils veulent faire la fête. Ah, meilleure vente chez le disquaire. Est-ce que je peux refaire un concert? Oui, hop, c'est parti. Quel enfoiré celui-là! Après, la prochaine fois, je me le fais. Salut mec! Si vous voulez un renseignement, n'hésitez pas, hein. Tac tac tac, vente. On va faire réduction, vitrine, borne d'écoute. Petite réduction là, pendant deux jours, pendant trois jours. Après le concert, ouais. Hop. Ils sont à chier, mais tu t'attendais à quoi? Donc après, il y a les events récurrents de chaque partie. Putain, ouais, c'est cool. Veux un concert sans tarder, c'est bon. Et content d'être au hit parade, veux des vacances, stage de vacances. Est-ce que je peux leur mettre 6000 balles? Putain, mais sérieusement. Pas payer la bière. Ah, ça, c'est vraiment rock'n'roll. Allez, un peu de bière, là. C'est royal. Oh, j'y crois pas, c'est... Allez. Ça va, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Non, mais regarde-moi ce groupe. On se réexcuse comme tout à l'heure. Ça va être compliqué de passer au rock pit, là. Je pense moi, qu'on a passé Billy le monde. Motton, j'accepte ces excuses. Ah, nice. Et je regrette aussi certains trucs que j'ai dit. Mais je te préviens, si tu me cherches, tu vas me trouver, c'est clair. Ça s'est bien passé. Je vaux bien plus que tous ces charlots. Va falloir qu'on s'explique. Sinon... Ça me gonfle. Alors non. Relation. Putain. Bah on dirait qu'il commence à comprendre. Quelle grosse merde. Hop. On tient le bon bout, mais... Putain, mais quel enfer. Il me coûte si cher. Ils me font chier, c'est surtout ce que je veux dire. Mais il coûte tellement d'argent. Hein. Je peux pas encore aller au Rock Pit. Salut, mec. 8e aux ventes, c'est tout. Bonjour. C'est moi que vous êtes venu voir? Vous savez parler aux femmes, vous. Petite fleur quand même, petite fleur. Mais sinon, 7e, c'est pas mal. 7e, c'est pas mal. Mais je suis tout seul ici, alors c'est moi qu'il faut voir. Publicité, c'est trop cher, hein, c'est trop cher la publicité. Et Zero Magazine. Vous avez dit manager. Ah mais lui, il me casse les couilles. Mais en fait, c'est avec lui qu'on devrait aller parler. Hein. Je peux faire un petit concert, ouais. Et là, ça sera 5000 le prochain, putain. Si ça change pas, je vais me trouver un job pépère et je quitterai ce putain de groupe. Putain, les Quelle relous. Grosse merde. Je sais pas si ça marche vraiment bien, ça. En fait, mon frère est pas si nul que ça. Avec de la bière en plus. Ça déchire. Allez hop, T'es la même. Pire. Non. Non, pas calomnie. Génial. Ah, ça, c'est vrai. Le concert arrive, t'es caté.
Rapporter 5000, c'est pas mal. Voilà. On peut caler un truc pour le rock pit. Plus les salles sont grosses, plus vous devez espacer vos dates. C'est-à-dire qu'on peut, enfin, il y a un certain nombre de jours avant lesquels on peut rejouer dans une même salle. Et c'est l'espacement est plus petit sur les petites salles, et plus la salle est grande, plus c'est long. Enfin, vous avez compris. Donc j'ai programmé cette date, évidemment. Bon, ça va, il tire pas trop la gueule. Hein. 6000 balles, j'ai gagné de l'argent. Cool. Ah oui, pas mal. Le rock pit est plein à craquer, le concert est génial. Juste avant la fin, un petit malin répand du gaz lacrymogène sur la piste et la salle évacuée bizarrement. Au lieu de gâcher la soirée, cet incident semble y ajouter du piment. Nice. Très très bien. Je croyais qu'on pouvait faire du merchandising, mais je peux pas. Reprogrammer un autre concert, c'est trop tôt. Un peu de pub. Vous à avez la radio. Rendez-vous avec quelqu'un? De pub, non mais oui mais genre une journée quoi. Non même pas, ça coûte trop cher. Tandis que salut si... mec, c'est pourquoi classement des ventes 10e, c'est nul. Vente petite réduc de 5000 pendant 3 jours, c'est parti. Et hop, et pendant ce temps il y aura un concert en plus. Ah là là, Supermarket Love n'est plus classé dans les meilleures ventes, mais une bonne stratégie devrait lui permettre de remonter. Et oui, chez le disquaire. Mais c'est ce qu'on a fait en plus. Ben, je suis tout seul ici, alors c'est moi. Et ça, ça coûte... Une fois, allez. Café Lisette. Oh putain. Excellent. 3,5, 238 personnes sur 240 places, c'est pas mal. On commence à blinder le Café Lisette, c'est très bien. Le Rock Pit, 5000, on peut, mais c'est trop tôt. Il faut faire les concerts, hein. Faut faire les concerts pour faire de la thune. Et pouvoir payer un peu d'autres promos. Le Gala Global Aid aura lieu dans 30 jours, ça va. Encore un concert comme ça. Trop tôt pour le Café Lisette. Ça coûte combien le Café Lisette? Pour le programmer. Ouais, on va pas enchaîner deux concerts quand même. Comme ça. Oh, j'y crois pas, c'est trop cool. Des petites bières, les petits gars. Ah ça. Et Raymond, là. Raymond, il est en petite forme, Raymond. Toi, tu sais jouer. Ouais. Hey. Ouh, c'est la Ouh. Fête. Allez Raymond, petite bière, ça va bien se passer. Oh putain, 9000 balles. Une location de 5000, ouais. 9000 balles au Rock Pit. Toujours regarder au moins 5000. Tant que tu restes à ta place et que tu me fais pas... Ah, ça coûte zéro le Café Lisette. Ok. Bon, ça le comble, 6000 balles. Parfait. Parfait, parfait. Avec 23 000. Bonjour et bienvenue à Rad. De la pub. Bon, pendant juste une journée. Pour le moment, on peut pas faire trop. Salut, je peux vous aider? Il est plus vendu, ouais. 5000. Allez. Hop. Trop tôt. Bon. Bon, chaque jour qui passe. Ouais. Je paye maintenant ou pas? Ouais, je paye maintenant, merde. Et deux jours après. Avance remboursée. Ah, l'argent rentre. Bien joué. Vous en avez remboursé la maison de disques. Et maintenant, on touche directement dès qu'on vend des albums. Salut, mec. Mais bon, on n'est pas dans le top vente. Hein. Mais quand même. 'Salle comble pour le Rock Pit. Âge mini, 21 ans. 10 000 balles. On va tenter un concert ici.
Ah ouais, c'est parce que je me dis on peut pas jouer ici. Je peux jouer à la venue. 20 000 balles, non, c'est trop risqué. Parfait, là, yes. Meilleure vente chez le disquaire. La vous radio. Avez rendez-vous avec quelqu'un? Ou je peux pas... Petite pub. Pendant 3 jours, non, on va... Non, 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 non. Une journée, mais c'est toujours bien. C'est toujours bien une petite journée de pub. Salut, je peux vous aider? Et on va continuer les promos. Vous venez de jouer. On peut pas jouer encore. Ouais, c'est ici qu'on a... C'est quand on clique sur la date qu'on a le panneau avec tout. Les CD vendus qui montent. 68 000 CD vendus, hein. Pas mal. Toujours pas. Ok. C'est mo- cadeau. Ça dé- ouais. On va enfin se lâcher. Cadeau. Enfin. 10 jours avant le gala. Parfait. Allez. Ça sera les deux derniers concerts au Rock Pit et au Café Lisette. Si on pouvait... Salut mec, c'est pourquoi... Augmenter les ventes. Réduction, borne d'écoute. Pendant 3 jours. Yes. Yes. Hey, et... vous vouliez voir quelqu'un? Une petite pub. Tac, tac. C'est un peu risqué ce que j'ai fait, mais on va leur payer ouais. De la bière. Ah, c'est... Oh, j'ai... Allez, il y a plus qu'à. Salle pleine, yes, 10 000 balles, yes. Ah, j'ai tout loupé, ben oui, c'est temps. On t'a attendu. Salut, salut. Bien sûr. Dès ce soir. Vous avez réussi. Incroyable. Et on a fait 453 000 points. En vrai, on a fait masse de points. Incroyable, mais vrai. On va s'arrêter également sur cette VOD, du coup, sur une affaire de famille qui a mal tourné, mais finalement bien tourné. Attention, la fille... Ah oui, putain, je me souviens de cette mission. La fille veut devenir une chanteuse, mais comme qui dirait, rien n'est fait pour elle. Mais on verra ça dans une prochaine VOD. J'espère que ça vous a plu, YouTube. À très bientôt pour de nouvelles aventures. À des zoubis.